Salut à tous et on se retrouve sur Seven Deadly Sins Grand Cross pour la version globale, se préparer. Donc pourquoi le démon gris hein, vu qu'il ne sera pas disponible dès le début hein, le démon gris apparaîtra une fois le chapitre 5 terminé. Et c'est pour ça que je préfère en parler avant, parce qu'il ne faut pas terminer le chapitre 5 tant qu'on n'a pas monté ses meilleurs persos level 65. Je vous explique pourquoi. Une fois qu'on aura fait les boss et qu'on fait apparaître un démon, au début du jeu, bah, ça sera 100% le démon rouge. Mais une fois le chapitre 5 terminé, ça sera 50% de chance d'avoir le démon rouge et 50% de chance d'avoir le démon gris. Ce qui fait que ça sera beaucoup plus galère, ceux qui s'y prennent un peu en retard, pour monter les personnages level 65 et après, avec le grâce au démon gris, level 70. Voilà, donc vaut mieux prendre de l'avance au niveau des chapitres jusqu'au PVP, mais après s'arrêter là. Voilà, jusqu'au PVP pour remplir les missions quotidiennes, mais s'arrêter là. Et continuer par la suite, une fois qu'on est bien avancé au niveau de nos personnages et au niveau de notre stuff, pour avancer dans les chapitres jusqu'au chapitre 5, voire 6, s'il est débloqué à ce moment-là. Voilà. Donc, au niveau des unités, on a peu de choix. Parce que le démon gris a une particularité, c'est-à-dire qu'il vole. Donc uniquement les attaques à distance sont faisables sur ce boss. Alors bien sûr, à quelques moments, je crois que c'est tous les 3 tours, il tombe au sol, voilà. Donc à ce moment-là, on pourra aller au corps à corps, mais sinon ça sera uniquement avec des attaques à distance. Et au début du jeu, comme on est assez limité au niveau des personnages, c'est un peu chiant, hein. Donc vaut mieux se préparer justement à affronter le démon gris, et c'est pour ça d'ailleurs que je recommandais de prendre le King Vert en deuxième SSR avec le Meliodas, parce que ça va grandement servir sur le démon gris. Voilà, donc on va commencer avec les dieux du dégât. Voilà, au niveau des personnages, donc il y a Meliodas, donc techniquement tout le monde l'aura, j'espère pour vous. Il a une attaque donc à distance, ça c'est plutôt cool. Il a un counter. Alors le counter ne marche pas quand le démon gris vole. Il faudra l'utiliser quand le démon gris est à terre. Voilà, donc au troisième tour à peu près. Généralement, le counter, s'il est bien cumulé, ben, il finira le combat. Hein, voilà. Parce que Meliodas fait très mal. Et comme c'est un démon, c'est un gros boss. Sur le démon gris qui va faire pas mal de dégâts, bah le counter va encore faire plus de dégâts. Voilà, puisqu'on va renvoyer des dégâts de boss. Et ça, c'est plutôt cool. Après, on a King. Et là, le King Vert, il est assez excellent. Donc, il a un coup à la limite du useless. C'est-à-dire que il fera des dégâts en fonction des debuffs, sachant que le démon gris ne peut se prendre aucun debuff. Donc, déjà, ce coup-là, il fera pas beaucoup de dégâts. Mais il a un autre coup qu'augmente les dégâts au niveau critique. Et ça, c'est plutôt cool, puisque avec son passif, plus il a l'aspect chargé, plus ses critiques augmentent. Ce qui fait que le King Vert va faire vraiment énormément de dégâts. De toute façon, c'est une full unité dégâts mono-cible, sauf avec sa spé qui est multi-cible. Donc ça, c'est un peu dommage par rapport au boss. Mais franchement, il fera tout le taf. Justement parce que au niveau des verts, d'ailleurs j'ai fait une faute d'orthographe sur l'image, on a pas mal de support au niveau du buff. Voilà, donc surtout du buff attaque. Hein, donc on a le Guild Thunder vert qui buff attaque traditionnel, c'est-à-dire qu'il augmente l'attaque, la stat attaque, alors que le Elbram, lui, augmente les stats relatives à l'attaque, et ça c'est plutôt cool, surtout pour le King, vu qu'il aura techniquement besoin de critique. Donc le Elbram, il va booster donc l'attaque, les dégâts critiques et le critique, et ça c'est plutôt cool, et accessoirement la pénétration également, mais donc dans une moindre mesure par rapport au Guild Thunder vert. Donc rien ne nous empêche de prendre par exemple King et les deux buffers attaque, vu que c'est des buffs qui se cumulent. Voilà, donc il fera encore plus de dégâts, le King. Par contre, on n'aura aucune survie derrière. C'est pour ça que c'est important quand même
Les personnages survivent, hein, surtout au début, hein, quand on n'aura pas des personnages super EP. Une fois qu'ils seront vraiment au level, il n'y aura plus besoin de support de survie. Hein. Donc au niveau des supports de survie, on a la Merline du Coin Shop qui permet de casser l'aspect, qui permet de mettre un bouclier qui est plutôt utile puisque tant que le bouclier est actif, en fait, le boss ne peut pas nous mettre de debuff. Et ça, c'est plutôt cool. Et après, Elisabeth Verte, elle qui sera le premier portail qu'on aura dans le jeu. Elle permet de heal. Elle permet aussi d'attaquer, mais c'est une attaque en fait qui fera pas de dégâts. Hein. Le principal intérêt de son attaque, c'est bien sûr de retirer des buffs. Et le démon gris n'a pas de buff. Hein. Et le seul buff qui se met accessoirement, c'est un buff bouclier de dégâts. Et c'est un buff qui peut pas être retiré justement avec l'attaque de Elisabeth. Voilà. Alors, ce qui est sympa avec la Merline, que vous pouvez très bien mettre en support passif, c'est-à-dire qu'elle augmente de une barre de spé toute l'équipe, donc dès le début du combat. Donc ça, c'est plutôt cool. Et là, Elisabeth se rajoute une sphère de spé supplémentaire. Ce qui permet de partir assez rapidement en spé. Donc sa spé, elle heal, mais elle rajoute aussi des sphères de spé. Donc les deux personnages sont quand même assez bons au niveau survie et pour partir rapidement en spé, et notamment avec le King, hein, qui, je le rappelle, qui augmente son critique en fonction du nombre de sphères de spé qu'il a. Donc ça peut être très intéressant de les mettre. Alors après, au niveau du support buff, il y a aussi le Gozer. Alors le Gozer, ça, de toute façon, on va le retrouver partout, hein, voilà, Gozer Coin Shop, qui permet d'augmenter la rareté des cartes. Et forcément, pour donner des plus gros coups avec des cartes 3 étoiles, c'est beaucoup plus facile avec le Gozer, surtout quand on joue en coop. Si on s'organise bien avec notre coéquipier, eh ben, on peut vraiment faire en un seul tour toutes nos cartes 3 étoiles. Ça peut être vraiment sympa et le démon gris peut être rapidement expédié. Voilà. Alors au niveau des supports passifs, je vous conseille surtout le Kane ou Merlin, hein, clairement. C'est les plus avantageux, je pense, parce qu'il va falloir vraiment le descendre. Hein, donc c'est vraiment, on focus sur l'attaque. Mais après, au niveau de la survie, au niveau des supports passifs, donc il y a Ruine qui réduit les dégâts donc des Red Boss. Mais il y a aussi Laelaine, hein, qui sera le troisième portail à venir sur la globale. Donc Laelaine qui a une attaque à distance et une attaque au corps à corps. Les deux attaques permettent de réduire l'aspect et la puissance des attaques puisqu'elle réduit la rareté. Voilà. Et comment, elle a une spé qui fait c'est exactement la même à quelque chose près quoi que celle de Meliodas. Donc en termes de dégâts, ça fait quand même pas mal de dégâts. Donc ça reste un bon support. Surtout si vous faites une équipe avec King et Elbram, et ben avec son passif, en fait, elle rajoute 20% de HP ou 10%, je crois que c'est 20% pour le type Elf. Donc ça peut être intéressant quand même. Voilà. Et sinon, je n'avais pas précisé pour Elbram, un truc qui est cool avec Elbram, c'est que son passif, en fait, lui permet de mourir une fois, mais de rester sur le terrain et de revenir à la vie. Donc ça, c'est plutôt cool. Au niveau des drops, on est comme sur le démon rouge. Hein. Au normal, c'est 50% de chance d'avoir une à deux ailes. En hard, c'est 60% de chance d'avoir une à deux ailes. Et en extrême, c'est 70% de chance d'avoir une à deux ailes. Donc on a à peu près 5 objets. Et donc, plus on monte de niveau, plus on aura d'objets de type L assuré, mais en termes de nombre, c'est aléatoire. Voilà. Au niveau des récompenses, donc pour le type L, hein, pour la version japonaise, on obtient les objets pour monter les costumes SSR. Donc ça va être un boss, vu que techniquement, en fait, c'est ce qu'on a le plus, les costumes SSR. Généralement, on a un costume SR, plein de SSR et un costume UR en fonction de comment vous avez acheté les costumes ou les trucs comme ça.
voire 2-3 costumières, mais c'est surtout au niveau des coiffures et des armes. On n'a pas trop de choix généralement au niveau du shop hein, pour les acheter, sauf si on achète bien sûr avec du cash des costumes complets. Donc pour le Thor, généralement on a pas mal de UR vu que une fois l'unité évoluée, eh ben on l'a en UR, mais pour les autres, y a beaucoup moins de choix. Donc ça va être surtout les SSR qu'on va essayer de monter en UR justement, qui est la rareté maximum. Et pour ce faire, il faut faire le démon gris. Voilà, donc c'était une vidéo quand même importante à faire, que ça soit pour se préparer sur la globale ou actuellement sur la japonaise. Donc, si vous avez des réflexions à faire, n'hésitez pas. Quand je dis réflexions, c'est des modifications ou des idées ou des choses comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Salut tout le monde et à la prochaine !